Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo où je vais vous présenter le nouveau carnet Disney Portrait de Hachette Heroes. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que il y en a déjà de fait sur YouTube, mais bon, plusieurs personnes me l'ont demandé sur ma page Facebook, alors je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un carnet format bloc-notes. Un peu comme les Girl Power, Boys Power, etc. Il y a 60 coloriages dedans. Que dire d'autre? Le papier est top, comme d'habitude chez Hachette, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vais vous montrer les différents dessins qu'il y a dedans. Il y en a juste un que je n'ai plus, puisque je l'ai fait récemment. Donc je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit bah, de l'image de couverture, justement. Donc le voici. Donc du coup il est plus dans le bloc-notes puisque je l'ai enlevé et plastifié. Donc je l'ai fait, je l'ai terminé hier. On est le 2 ou 3 avril, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer le reste des dessins de ce magnifique bloc. Voilà, alors pour ma part, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un livre qui me plaît énormément. Juste, j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de Disney connu, entre guillemets, plus de portraits de personnages connus. Néanmoins, ceux qu'il y a dedans sont vraiment très sympas. Et pour le coup, ça met d'autres personnages en valeur. Et les nouveaux Disney sortis plus ou moins récemment, qu'on ne voit pas forcément dans tous les.
dans tous les autres livres de coloriage. Pour ma part, je ne regrette absolument pas cet achat. Il coûte 9,95€ et je trouve qu'il vaut largement son prix. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus. Dites-moi ce que vous, vous en pensez en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!